Je vais vous présenter aujourd'hui la démarche de pleine conscience à travers des applications concrètes. Cette vidéo fait suite à une séquence précédente dans le MOOC. Alors, la démarche de pleine conscience au concret, au quotidien, à l'école primaire, tout d'abord, cette démarche va permettre de travailler sur l'ambiance de classe, mais également d'accompagner les élèves à cultiver en eux du calme, à se recentrer, à reconnaître leurs émotions et à en prendre soin. C'est une démarche qui peut fournir des outils et des méthodes pour travailler la bienveillance et le vivre ensemble. Je vous propose d'illustrer mes propos par quelques témoignages d'enseignants avec lesquels je travaille. Une enseignante m'a témoigné un jour qu'elle avait remarqué que lorsqu'elle s'agitait, lorsqu'elle parlait plus vite, et ben l'ambiance de classe avait tendance elle aussi à se dégrader. Que grâce à la démarche de pleine conscience, elle avait appris à ralentir son débit de parole, à cultiver du calme, des espaces de silence, et que du coup cela avait un effet très profitable à l'ambiance de classe. Cette présence à elle-même, ce ralentissement, lui a également permis d'avoir des espaces d'écoute et d'attention plus individualisés sur chaque élève. Un outil typique de la démarche de pleine conscience qui est assez souvent utilisé en classe, c'est la cloche de pleine conscience, qui peut prendre la forme d'un carillon et qui va être invité pour permettre à l'enseignant et aux élèves de revenir à eux et de cultiver un moment de calme avec eux-mêmes. Alors bien sûr, l'introduction d'une cloche en classe nécessitera à la fois une présentation de l'outil et puis un apprentissage à la respiration consciente, mais ensuite, on pourra envisager de nommer au sein du groupe classe un élève qui serait par exemple responsable du calme et qui viendrait inviter le carillon lorsqu'il trouverait que l'ambiance de classe serait trop agitée. Donc derrière cet outil qui permet un petit peu de fonctionner différemment avec l'ambiance de classe, il y a également un apprentissage à la responsabilité, à la gestion émotionnelle et à la prise en charge par les élèves eux-mêmes d'une écoute et d'un ressenti de ce qui est en train de se passer. La démarche de pleine conscience va également avoir des apports potentiels au collège. Une éducation à l'intelligence intra et interpersonnelle. Là, je voudrais parler du travail qu'a réalisé Christiane dans un collège où, avec certains collègues, pardon, ils avaient installé un espace d'écoute pour les élèves sur un créneau horaire bien spécifique, dans un lieu bien spécifique. Pendant un temps d'une heure, les profs posaient leur casquette de prof et les élèves pouvaient venir pour être écoutés, sans jugement, sans conseil, et donc du coup ainsi trouver en eux les solutions à leurs problématiques. Donc une manière d'entrer dans un relationnel différent avec l'élève qui ensuite avait des retentissements sur les apprentissages en classe et la confiance qui s'instaurait entre le prof et son élève. Également, plusieurs outils ou pratiques dans la démarche qui permettent d'éduquer aux notions de complexité et d'interdépendance de manière très concrète. On en verra une tout à l'heure en fin de séquence. Je voudrais également vous inviter à consulter différents exemples. L'exemple de l'expérience qui a été menée, pardon, à Fontenay-sous-Bois dans le 94 à travers des classes de collège bien-être et les répercussions que ça a eues autant sur les élèves que sur les enseignants, que sur le collège dans son ensemble. Donc un jour, cette eau, qui n'était pas encore de l'eau, puisque l'hydrogène et l'oxygène ne s'étaient pas rassemblés, mais un jour, cette eau, elle était au fin fond des étoiles, elle était dans l'espace. Alors en regardant l'eau, avec beaucoup d'imagination, mais surtout en se concentrant sur tout le chemin qu'elle a fait pour arriver jusqu'aujourd'hui dans notre verre, en regardant l'eau, on fait un petit voyage dans les étoiles. Vous voyez l'idée? Est-ce que vous avez déjà regardé l'eau comme ça? Non. Non. Alors ce que je vous invite à faire maintenant, c'est juste à essayer d'observer votre corps, d'essayer de rentrer en contact avec votre corps. En essayant d'imaginer l'eau dans votre corps, qui hier était dans un nuage. Et pour bien sentir votre corps, je vous propose d'essayer d'écouter votre respiration. À l'université également, cette démarche commence à avoir sa place pour éduquer à la responsabilité et questionner la notion d'éthique. Et là, je voudrais citer le travail extraordinaire que fait Hélène Hagege à l'université de Montpellier et vous inviter à le consulter. On peut également se servir de cette démarche pour soi. Maryse, qui enseigne à des BTS, a
perçu que la démarche de pleine conscience lui permettait de s'offrir des espaces de respiration qui lui permettaient de retrouver du calme, de la lucidité, de l'écoute et donc d'apporter une meilleure réponse à ses élèves. Elle a partagé cette pratique avec ses élèves, c'est devenu un petit peu un code entre eux et du coup elle peut s'autoriser à leur dire attendez, excusez-moi, là j'ai besoin de respirer. Les élèves peuvent s'autoriser à dire ou madame, faudrait peut-être qu'on fasse une pause. Et ça a créé entre eux un relationnel de confiance dans lequel l'estime va pouvoir parfois être travaillée et questionnée, tout simplement parce que la confiance est installée. Donc une autre relation à soi-même et aux autres. Je vous propose maintenant d'essayer de sentir le petit courant d'air créé par la respiration au niveau de la membrane du nez. Est-ce que vous sentez un petit courant d'air quand vous inspirez, un petit courant d'air quand vous expirez? Et portez votre attention sur ce petit mouvement de va-et-vient. Et observez vos sensations corporelles qui se manifestent. Tendues, relâchées. Au niveau du visage, vous avez tendance à sourire, contracter, fermer, ouvrir. Simplement observer la manière dont le corps réagit à la vision d'un aliment que vous détestez ou que d'un aliment que vous adorez. Cette démarche a également été expérimentée à l'échelle d'un pays, donc c'est l'exemple du Bhoutan. Je vous inviterai à aller voir des vidéos à ce sujet, vous en trouverez dans les ressources. Et cette démarche questionne aujourd'hui de nombreux autres pays, tant pour la démarche éducative que de manière plus générale pour une démarche citoyenne. Je vous propose de terminer cette séance par un exercice de pratique. Alors, vous n'avez peut-être pas pris avec vous un verre d'eau. Éventuellement, vous pouvez mettre pause, aller en chercher un et revenir. Voilà, donc c'est un exercice que l'on va pratiquer avec un simple verre d'eau. Je vous propose de revenir à ici, à vos sensations corporelles, de ramener votre esprit et de commencer par porter votre attention sur le verre. Qui a fabriqué ce verre? Qui a eu l'idée un jour d'assembler du sable, de l'eau, de la silice, de chauffer ces matériaux et de faire un verre? Est-ce que je peux porter mon attention sur le verre et à travers ce simple objet rentrer en contact avec l'intelligence, l'habileté de génération d'êtres humains avant moi. Je vous invite maintenant à porter votre attention sur l'eau contenue dans ce verre. Où était cette eau avant-hier? Où était cette eau il y a 100 ans? Où était cette eau il y a 1 milliard d'années? Où sera-t-elle demain? Où sera-t-elle dans 10 ans? Notre corps est composé à plus de 70% d'eau et cette eau circule tout autour de l'univers pour aujourd'hui se retrouver dans notre verre et tout à l'heure dans notre corps. En regardant l'eau, je peux aussi prendre conscience que il me suffit d'ouvrir le robinet pour pouvoir avoir accès à cette ressource vitale. C'est pour moi un geste très simple. Et dans ce simple geste, je peux à la fois toucher de la gratitude pour les générations d'êtres humains avant moi qui ont construit des ponts, des aqueducs, des canalisations. Et puis également avoir de la gratitude pour vivre dans un pays où les conditions d'accès à l'eau me sont faciles. Voilà, donc je vous invite à porter votre attention sur les émotions qui peuvent être déclenchées par ce simple exercice. Personnellement, ça me fait toucher de la gratitude et également reconnaître des conditions de bonheur dans mon quotidien sur quelque chose aussi simple et aussi quotidien et évident que boire un simple verre d'eau. Je vous propose maintenant de commencer à boire l'eau tout doucement. Essayez de goûter l'eau comme si vous en buviez pour la première fois. Essayez de goûter les sensations corporelles. La sensation sur le palais, sur la langue, la sensation de fraîcheur. Sentir vraiment toutes les sensations physiques et porter votre attention avec douceur et en prenant votre temps au fait de boire un verre d'eau.
Voilà, je vous propose de porter à nouveau votre attention, pardon, sur les émotions qui sont déclenchées par ces sensations physiques. Et peut-être, pourquoi pas, à contacter une forme de plaisir ou de satisfaction à travers un simple verre d'eau. Cet exercice nous permet de toucher la notion d'interdépendance, mais également de cultiver quelque chose qui fait vraiment partie du regard de la démarche de pleine conscience, à savoir que nous oublions parfois de savourer le positif et de tout simplement toucher de la reconnaissance et de la gratitude pour toutes les conditions de bonheur qui sont déjà présentes dans notre vie. Et le petit pas de recul que peut proposer cette démarche permet parfois de trouver une forme de satisfaction dans des choses simples et accessibles, et donc de re-questionner notre rapport à la consommation.